My Hero Academia Ultra Rumble est sorti, les amis, et on va partir tester ça directement en Ranked. Alors, je joue Izuku. Bien sûr, j'ai débloqué d'autres personnages. Mais c'est eux, c'est tout simplement Izuku que je joue main et maîtriser. J'aime bien son gameplay. Frappe de loin, il peut s'échapper et il peut reprendre sa position. J'ai un petit problème. Ok, c'est pas grave. J'ai quand même vous montrer un peu ce que j'ai pu drop. Alors, j'ai drop Ibarra et Momo. Ça, c'est les deux persos que j'ai drop. Après, il y a les persos. Bon, après, le reste, je pense que c'est des persos gratuits. En super vilain, on a Shigaraki. Et également Crématorium. Et voilà. Ils ont gardé. Ah, du coup, ils comptent faire une autre version de Crématorium. Parce que c'est pas son vrai blaze, bien sûr. On sait que c'est le frère de Todoroki. J'aurais bien aimé activer. Enfin, l'avoir. J'ai fait quelques multis, malheureusement. J'ai pas été très chanceux. Parti. Petite ranked. Let's go. Bon, s'il y a des moments où je ne parle pas, où il y a des blancs, c'est parce que je suis concentré sur la partie. Et je préfère simplement me rapprocher du top 1, même si ce n'est pas le top 1. Même au cas où, si je peux faire un top 1, ça sera encore mieux. Mais vu que c'est une ranked, plus on s'approche du top 1 et plus on fait de kills, et plus on gagnera de points, et plus on passera à la division suivante. Let's go. Bon, j'ai décidé de partir sur la zone des catastrophes maritimes parce qu'il y a un très bon spot de farm. Et là, je me suis bien situé parce que normalement, là, je serai. Ok. Il y a une team. Il y aura normalement un coffre devant moi et normalement des ressources un peu éparpillées autour de moi. Voilà. Par contre, je vais vite bouger de là. Il m'a pas vu, c'est impeccable. En plus, il a pas de shield. Là, je vous propose du contenu direct, hein, une dynamique. Même si. Je récupère un peu de vie. Après, on repart au fight, hein. Oh là là. Oh là 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 là. Il m'a vraiment sauvé là par contre. Oh là là. Oh là là. Oh là là. J'ai fait n'imp. Oh, je me suis perdu sur les touches.
Sa première partie catastrophe. Mais c'est une vraie catastrophe. Après, je sais pas pourquoi notre deuxième joueur a... Enfin, notre troisième joueur a quitté. Ouais, bah Coco, c'est trop fort. Trop fort. Bon, c'était... Cette première partie, c'était pas ouf. Let's go. On va refaire une seconde. Et des frais de participation? On perd des points? Ok, j'étais pas au courant. Bon, je continue sur le petit Shizuku. Bon, je vais attendre que lui switch parce que j'ai pas envie de changer et que les autres gameplays ne me plaisent pas forcément. Tant que je ne débloque pas un All Might, Bakugo ou encore Todoroki, je ne changerai pas de main. Les autres gameplays ne me plaisent pas. J'ai testé Crematorium et réellement. Son gameplay, il est trop lent, je trouve. Trop lent. C'est un perso, je le considère comme un perso sentinelle. Il est là pour garder et il est là pour, on va dire, poser des pièges et plutôt et cover ses mates. C'est un perso vraiment extrêmement technique et c'est pas fait pour moi ce type de perso. Faut avoir de la patience. Ok, c'est parti. Là, je cut pas ces moments-là. C'est tout simplement parce que pour que vous puissiez voir un peu combien. Combien prend de temps pour les téléchargements et tout? Je vais baisser le son du jeu pour que je puisse m'entendre. Et là, normalement, pour vous, là, ça va être nickel. Ok. Alors, pour cette seconde partie, on va voir si ce sera bien. On va essayer de tenir 10 minutes. Je vais faire un petit top 3. Minimum top 3. On va éviter trop les confrontations inutiles. Mais pas dans un battle royale standard. Let's go. Un second. Deux. Un. Let's go. En espérant qu'il n'y aura pas du monde cette fois-ci dans cette zone. Normalement, il pourrait y avoir une team. On va avoir une petite team, mais ça va, elle est éloignée. Et on, pour le farm, au début, on sera tranquille. Je pense, à part s'ils voudront un upgrade dès le début. Let's go. On part sur le même style de combat, hein, de gameplay. C'est ça que je voulais. Oh là là, catastrophique. Oh, il y a quelqu'un.
Ah bon. J'ai quand même dit arrêtons les confrontations inutiles. Et qu'est-ce que je fais? Et pourquoi il se retrouve déjà là en fait? Je comprends pas. Dommage. Dommage, c'est dommage. Oh, il est no shield. Pourquoi elle frappe pas? Ben voilà. J'ai un à terre. Vraiment, ce perso, il est trop fort, hein. Ibarashi, Ibarami, bref. J'ai déjà oublié son nom. Trop trop fort le perso. Ok, elle a Break Shield. Let's go. Et elle a... Ah ok, elle a même Takedown. Ok. Ok, ok, pas mal, pas mal. GG. Vraiment là, en fait, ce que j'ai hâte pour ce jeu, qui rajoute le 1v1. Enfin, le mode solo. Le mode solo pourrait être vraiment très, 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 très bien. Là, parce que normalement, là, en situation 1v1, j'aurais pas pris autant de tarifs. Et là. Là, Oshako, j'aurais buté depuis longtemps. On revive. Ah, c'est bon, nickel. Let's go. On revient. Let's go. Ça, c'est pas mal. Désolé, désolé, désolé. Ok. Ouais, ils ont déjà tout récupéré ici. Il y a un petit truc en haut, je vais le récupérer. Je crois que c'est une potion. Coffre potion. Ouais, potion. Ouais, ça a été farm ici. Ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est trop important ça. Je comprends pas pourquoi elle a préparé. Ok, le fini. Mon collègue a besoin d'aide. Non, c'est bon. Je vais faire un petit truc. Bon, alors bien, on sait jamais. Ok, let's go. Ils ont récupéré toute leur vie. Ouais,
dangereux ce que je fais, mais ça vaut le coup. Let's fight. Ouais. Ma break shield. Il est bloqué dans le mur. Malheureusement, j'ai plus de potions. Enfin, plus de shield, ça va être tendu. Non, je vois pas ici. Voilà, break. Non. Oh. Je suis obligé de faire ça parce que j'ai besoin de récupérer un peu de shield. On va terminer ça. Et on va faire ça. Il reste plus qu'une team, top 1. Vite, 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 vite. Let's go, top 1. Et oui, ça c'était pas mal. Top 1, let's go. Oh là là, le top 1 qui passe en vidéo. Ça c'est excellent. Ok. Bon, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez du jeu, mais moi il me plaît énormément. Je pense qu'on va stream là-dessus avec le Jump Assemble qui est en bêta fermée à l'heure actuelle. Et ce sera tout, je pense qu'on a fait le tour du jeu. Bon, c'est vrai que le début, c'était pas ouf. Mais
Mais on s'est bien rattrapé sur la fin. Pour ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.